Monsieur le Président, selon le négociateur en chef du Canada, les négociations pour un accord économique et commercial global avec l'Europe progressent rapidement et les pourparlers sont à mi-chemin d'un échéancier qui se termine en 2011. Pourtant, aucune information sur le contenu n'a été rendue publique. Est-ce que le ministre du Commerce international conviendra qu'il est plus que temps de rendre public les documents préliminaires et le mandat de négociation de ce que lui-même considère comme l'entente commerciale la plus ambitieuse jamais envisagée? Bonne question. Honorable secrétaire parlementaire. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is certainly a time of economic uncertainty, and this government is working to open new doors for Canadian business. And the economic agreement that we're signing with the European Union, hopefully signing with the European Union, has the potential to increase trade between Canada and Europe by $12 billion and provide jobs and opportunity not just for Canadians and not just for the Europeans, but to set a standard for the rest of the world to follow.